tous. J'ai pas vu. Ça va bien tout le monde? Alors les nouveaux Kaku, bienvenue hein, sur Roll It's Life. Ce sera notre première partie ensemble. Donc on est ravis de t'accueillir sur le serveur. Bienvenue. Merci. Voilà, c'est très cool. Tout nouveau serveur. Hein, donc je suis content d'avoir pour la première fois 5 filles, voilà, c'est une soirée filles, à part le MJ, donc je suis un peu l'intrus du groupe, donc vous êtes vraiment en comité féminin, donc ça fait plaisir. C'est très rare quand même dans l'IDR, ça a souligné, ça arrive rarement, surtout avec 5 personnes. Donc je suis content, une petite fierté pour moi de pouvoir vous accueillir tous, donc c'est cool. Net, t'as pris un bébou en personnage? Oui, je me suis dit, oh, c'est un garçon, mais bon, c'est un petit gars, donc je me dis, ça peut passer. C'est Jimmy, c'est ça? Oui. Le creep! Non, mais il fait exprès d'être creepy hein, aussi. Donc, voilà, c'est un système D6. Donc, est-ce que vous voyez vos stats sur vos persos quand vous en ouvrez vos fiches? Ouais. Vous voyez, vous avez 3, 1, comme vous avez, je vous ai laissé choisir un peu vos persos. Ouais. Et donc, c'est. Quand vous allez faire, par exemple, un G, vous devez vous cacher, il faudra toujours faire au-dessus de 40%. C'est-à-dire 50%, ça passe. Alors, 50%, c'est un 5 avec un D6 si vous avez 0 dans votre stat. Par contre, si vous avez 3 dans la stat, je crois que c'est furtivité. Là, il vous faut que faire un 2. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très basique, hein. Il n'y a pas vraiment... Donc après, je peux vous accorder des bonus suivant les situations. Vous pouvez aussi avoir des malus suivant aussi vos décisions. Ça peut varier. Mais c'est très, très RP. Ça va justement... c'est un jeu pour débutants, à la base, qui permet aussi, pour des joueurs qui ne se connaissent pas, de pouvoir vraiment découvrir un peu le JDR, et ça permet vraiment de se lâcher sur incarner son personnage, si je veux dire. Donc, pour ça, c'est bon. Donc, caractéristiques, vous avez force, agilité, dextérité, furtivité, intelligence, mentale, et il y en a une autre, c'est la chance. Alors, la chance, vous n'avez pas de stats dedans, donc ça peut varier. Ça va dépendre de la situation. Quand je vais demander un jet de chance, c'est parce que je vois pas trop la caractéristique qui va être adéquate pour le lancer de dé. Donc il y en a eu à la dernière partie. C'est que la deuxième partie de Roll and Roll qu'on fait, donc il y en avait eu un petit peu, si je me rappelle. Donc on verra suivant les situations, toujours pareil. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc il y a les malus, il n'y a pas de points de vie, donc ça peut être très rapide. Certains s'en remémorent d'ailleurs, ça a été très vite pour certains. En même temps, on s'est pris pour des papillons aussi. Ils croyaient que c'était des super-héros, donc vous n'êtes pas des super-héros, hein. Vous êtes vraiment des personnes lambda, voilà. Mm-hmm. Donc, lambda... Oui, enfin voilà, je m'entends. Alors, vous êtes pas des. On joue pas à Donjons et Dragons, si vous voulez. Ça, je quand tiens cœur, d'une quand même... fenêtre, on se fait mal. Oui, fait mal. Mais je tiens à spécifier, 50 Cent s'est pris 9 balles, dont une dans la tête, il a survécu quand même. Ça, je... Il y a ma petite balle. Bref. D'accord, on n'en est pas là. Hein. Donc voilà. Il peut y avoir des blessures, ça va vous faire des malus, des blessures comme c'est arrivé, sans gravité, mais des fois il peut y avoir des choses, ça va être direct. Ça va être direct. Donc suivant les situations, ça va être suivant ce qui se passe en fait. Donc voilà. Mm-hmm. Est-ce que vous avez plus ou moins des questions avant qu'on démarre? Hop. Non, du tout. Est-ce que ça change Est-ce que t'as changé un peu l'histoire de celle de la dernière fois? Ah oui, mais là on part sur un autre scénario, hein, complètement. Ok, complètement. C'était pour être sûr. Ah oui, oui, non, je vous fais pas le même scénario quand même. Je vais pas vous faire jouer. non, là on part sur vraiment autre chose. Ça se passe à Bordeaux, vous verrez. Ça se passe en France. Après ça, c'est pas. J'avais envie que ça se passe en France pour changer. Ça change rien par rapport à vos backgrounds. J'ai regardé un peu vos persos, comment ils étaient. Donc ça change pas grand chose. Bah on va commencer. Alors le scénario peut durer aussi, peut être très court.
comme la dernière fois. en moyenne 2h30-3h, j'ai à peu près je vois à peu près ça quoi. Mais ça peut être moins. Ça peut être moins. Okay. Faut pas prendre des décisions hâtives. Non, je pense pas. Réfléchissez bien. C'est rétamé. Et moi j'ai survécu quand même. Donc vous avez gagné un concours où vous allez pouvoir faire de l'urbex avec une exploratrice de l'horreur surnommée Fatoumata dans une maison soi-disant hantée. Cette femme possède une grande communauté sur ses réseaux sociaux. Vous êtes donc les grands chanceux pour l'accompagner dans sa prochaine vidéo. Cela va faire beaucoup de vues, mais peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Alors, je vais vous transférer. Vous me dites si vous voyez toutes les maps, si c'est correct, s'il n'y a pas de truc qui est effacé, de plan noir ou... Hop. Donc, nous sommes à Bordeaux en plein hiver. Hein. Vous avez rendez-vous avec cette spécialiste du paranormal devant la maison Pascal pour participer au live de son émission sur les réseaux sociaux. Donc vous venez tout juste d'atterrir un peu tous en avion à l'aéroport de Bordeaux et vous vous retrouvez un peu tous dans une espèce de petit van, Volkswagen. C'est la première fois que vous vous rencontrez tous. Donc ce que je vais vous demander, c'est juste de vous décrire physiquement. Vraiment le physique, comment vous êtes, votre stature, sans parler de votre vie ou tout ça. Vraiment de parler physiquement comment votre perso est. Et je voulais choisir qui commence. Bah moi je veux bien. April, c'est une fille qui est très jeune. Hein, si elle a 18 ans, c'est vraiment tout juste. Vous pouvez voir, elle a un crop top, elle est habillée ultra à la mode et honnêtement, quand vous la regardez, il y a quelque chose d'un peu insupportable chez elle. Que ce soit le fait qu'elle soit sapée comme une bimbo et qu'elle en joue beaucoup ou peut-être le fait qu'elle soit toujours accrochée à son téléphone, en train de poster des trucs, pas trop écouter si jamais on lui parle ou balayer les choses d'un geste de la main. Voilà. Ce que vous avez pu remarquer aussi, si vous l'avez vu marcher, c'est qu'elle boitait légèrement. Et puis, bah, c'est à peu près tout. C'est parfait tout ça. Ok, bah, je vais y aller du coup. Jimmy, c'est un jeune homme d'à peu près 15 ans, mais on dirait qu'il en fait presque 4 de moins, au moins. Vous le voyez se balader avec toujours son petit nounours qu'il vous a présenté comme s'appelant Eileen. Il a une coupe un peu particulière puisqu'il est rasé sur tout le côté, y compris le derrière de la tête, mais avec une autre partie de l'autre côté qui est assez longue. Mis à part son visage très très... qui paraît beaucoup plus jeune que son âge, on voit pas... Enfin, il a rien de particulièrement... identifiable au premier regard comme ça. Il passe un peu partout, on va dire. Même par les fenêtres. Je suis très agile, ok. Il est très agile. Il a 3 en agilité d'abord. Donc oui, par les fenêtres. Si y en a qui comprennent pas, ils regarderont l'épisode 1 de la cabane sur YouTube. C'est clair. Comprends. Du coup, j'ai une question quand même. Tu nous as présenté ton nounours. Ah ouais. Ah, il y a ce level de creepy là, d'accord. Elle s'appelle Eileen en référence à une tueuse en série américaine assez populaire. Ok, et tu nous as fait un cours aussi sur Eileen ou pas? Non, pas. Ah. Je pourrais, hein, mais... Pourquoi pas, si April n'est pas trop chiant. Très bien. Je peux faire ce que vous voulez. Ah, Mika. Du coup, Whitney, c'est quelqu'un qui semble assez jovial dans sa manière de marcher, toujours là à trottiner, bouger de partout, être très tactile avec les autres. Elle est habillée d'un jean et d'un pull, elle est vraiment dans un mood assez chill, qui veut seulement s'amuser et qui veut surtout prouver que le surnaturel, ça n'existe pas, que c'est seulement ils se font des films, etc. Elle est vraiment de manière très chill et voire peut-être un poil insolente par moment. C'est un peu méprisant.
Voilà, elle a quelques tatouages, pas mal de piercings aussi au niveau des oreilles. Voilà, c'est tout. Ok, ok. Charlie, Yoripa, est-ce que vous? Allez. Ouais, vas-y, je te laisse. Ok. Du coup, Maria, quand vous la voyez, elle est plutôt calme et plutôt discrète. Elle, vis-à-vis, au vu de toutes les autres personnalités qui parlaient beaucoup plus, etc., elle était un petit peu en retrait quand vous l'avez rencontrée. C'est une brune qui est de taille moyenne et qui est habillée un peu... elle a quelque chose un peu d'artistique. Elle n'est pas très à la mode, pas très, voilà, c'est très original comment elle est habillée, etc. Et quand elle parle, elle est très calme, elle est... Elle n'essaye pas d'attirer plus d'attention que ça, ou elle a l'air plutôt sympathique. Voilà. Ok. Du coup, Maeven, elle est... Physiquement, du coup, elle est assez grande, fine. Son style est plutôt noir, quoi. Elle est pas là, assez dark dans ses vêtements, dans sa manière de paraître. Et... elle a l'air assez froide aussi, puisque là, du coup, elle a genre calculé personne au début. Elle a ni parlé à personne, ni calculé personne. Elle a juste mis ses écouteurs et en gros, elle a le regard un peu genre perdu, mais sans jamais croiser trop vos regards à vous, quoi. Voilà. Très bien. Donc, vous rentrez dans ce van, le chauffeur vous accueille. Salut les filles, bienvenue. Allez, je vous amène à la maison Pascal. Vous avez pas trop peur quand même? Ça va? Moi je Jimmy, me contente juste de... Oh, pardon. Vas-y. Non, moi je me contente juste de rentrer avec mes écouteurs et aller me placer dans le fond du van sans répondre. Et je m'assois en mettant un peu mes chaussures sur le siège de devant et je regarde par la fenêtre. Voilà. Le van prend la route, vous êtes entre vous, vous pouvez peut-être discuter entre vous si vous voulez, si vous avez des questions à vous poser ou je ne sais pas. Vous pouvez ne rien vous dire, ça m'étonnerait quand même. Je vous laisse faire ce que vous voulez pendant cette petite route. Jimmy, c'est un salut au premier rang du minibus et lance un regard très très noir pendant tout le trajet au conducteur parce qu'il l'a mégenré. Whitney s'approche un peu de Maeven, elle la regarde et fait salut la gothique, du coup tu crois au fantôme toi, c'est ça? Tu vois que je prends même pas la peine de retirer de mes écouteurs, je te regarde juste de coin légèrement et je me mets à re-regarder par la fenêtre. Je passe ma main devant ton visage et je continue d'insister. Eh oh, tu m'entends? Du coup, je retire mes écouteurs et... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois en fantôme? Pourquoi j'y croirais pas? Ça n'existe pas. T'en as déjà vu? Et toi, t'as une preuve que ça n'existe pas? Je peux te retourner la question, t'as une preuve que ça existe? C'est ce que je suis en train d'essayer de chercher. Toi, qu'est-ce que tu fais là, dans ce cas-là? Je sais pas, ça m'amuse. Voir comment vous êtes tellement... Je sais pas, genre... à vouloir y croire, etc. Mais en Van... plus, tu t'habilles en mercredi, c'est pour être dans le thème. Maeven a quand même une chaîne renommée YouTube, où j'explique un peu pour ceux qui ne le savaient pas, où elle fait justement ce genre d'expérience. Donc elle a une petite notoriété, on va dire. Ouais. Enfin bref, du coup, je fais genre... Pas vraiment, je suis en mode... Surtout pour ce genre de personnes, désolé. Hein. Mais du coup, je suis en mode... Je te fais un sourire vraiment narquois et je remets mes écouteurs et je regarde par la fenêtre. Par contre, toi, Maeven, tu restes choqué par rapport à cette dernière histoire. Ça t'a quand même marqué, hein. C'est pas quelque chose... C'est pour ça que je suis... Déjà, j'étais pas très sociable à la première histoire, alors là, j'y suis encore moins. Donc, on est d'accord que Maeven, c'est celle qui avait fait le tour de la maison direct... En arrivant, non? Oui, c'est ça. D'accord, très sociable, effectivement. Ok, du coup, April, elle va avoir regardé ça, regardé cette interaction un peu en mode très choquée. Non, mais ambiance, quoi, s'il vous plaît, les filles. Ah, pardon, et le gars? Excusez-moi. Tu vois sa tête se retourner directement vers toi et tu vois pencher un peu de la tête et te sourire gentiment.
Ok, creepy, vraiment trop weirdo. J'adore. Non mais attendez, parce que... Enfin, je veux dire, l'ambiance, ça va être pourrie comme ça tout du long, ou... Enfin... On s'en fout, fantôme, pas fantôme. Ok, ambiance. Jimmy chuchote quelque chose à l'oreille de son ourson. Il est trop flippant, le gosse. Maria est complètement dubitative de toute cette situation et se demande où est-ce qu'elle est tombée. Sérieusement. Et donc, du coup, bah, continuez, vous roulez. Vous sortez quand même de Bordeaux, où on dirait que vous vous dirigez vers des sortes de marais un peu sableux, un peu... Il y a une espèce de brume épaisse qui apparaît. C'est le soir, hein, il doit être 19h, un truc comme ça, et vous continuez à rouler. Ça fait plusieurs kilomètres quand même que vous papotez. Le chauffeur est silencieux, à part les mots qu'il vous a dit quand vous êtes arrivé. Il ne dit plus grand chose, il est concentré sur la route et vous continuez un peu à parler, à rigoler, d'autres à moins rigoler, on va dire, à moins rire. Mais la route se passe et vous commencez à ralentir et vous apercevez cette sinistre bâtisse. Il est aux environs de 19h30 et à peine vous descendez du véhicule qu'il y a une BMW verte qui arrive et se gare vraiment juste devant vous. Vous arrivez presque en même temps. Et vous reconnaissez Fatoumata qui sort du véhicule. Elle a sa caméra qui a l'air d'enregistrer et elle s'approche de vous tout en parlant. Vous entendez pas et dès qu'elle se rapproche un peu plus de vous, vous commencez à... On dirait qu'elle s'adresse à vous en fait. Hein. Bienvenue mes amis. Ah ben les voilà les chanceux qui vont participer avec moi à cette visite de la maison Pascal. Cette maison n'est plus habitée depuis 20 ans. C'est tout juste l'anniversaire aujourd'hui. On dit que les esprits malfaisants ont pris possession des lieux depuis qu'un père de famille a tué ses deux filles et sa femme avant de se suicider. Mais je vais vous présenter nos candidats chanceux qui m'accompagneront pour une nuit de terreur. Mieux, ils vont eux-mêmes se présenter. Alors, elle tourne la caméra vers toi, Maven. Alors, c'est la star du groupe ? Maven, comment vas-tu, Maven? Bienvenue. Ouais, merci. Tu es contente d'être avec nous? Tu veux te présenter un petit peu au public qui te regarde en direct? Ouais. Salut, moi c'est Maven. J'ai une chaîne, pour ceux qui ne savent pas, peut-être dans le paranormal où je fais des petites enquêtes. C'est la raison de ma présence ici. D'autres me connaîtront peut-être pour une autre raison, mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler. Et bon, on espère que cette fois, ce sera des fantômes ce soir. Mais oui, on va avoir notre lot de terreur, t'inquiète pas, Maven. Et à côté de toi, on a Whitney. Comment tu vas, Whitney? Tu es contente super, de faire partie de l'émission de Fatoumata? Ouais, bien sûr, j'ai trop hâte de voir Gasper. Tu vois, elle commence à te regarder avec des gros yeux comme ça, style, elle comprend pas. Et elle te fait style rigole, avec un doigt, comme si... lui dire enchaîne. Mais bon, elle est pas dans la caméra, tu vois. Elle est à fond dans son film. Elle essaye de te coacher pour que tu dises vraiment les trucs qu'elle a envie d'entendre, en fait. Je vois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Whitney? Je suis en première en L1 de droit. Je vais devenir la future grande avocate. Mais c'est cool tout ça. Et en fait, elle sent que que tu la mets un peu au défi, tu vois. Et en fait, elle tourne court à ta présentation du coup. Tu sens qu'elle a capté par rapport à tes paroles que elle t'a mis un peu. Tu l'as un peu dans le nez maintenant. Enfin, elle t'a un peu dans le nez plutôt. Et du coup, elle se retourne vers April. Et voici April, qui a gagné aussi le droit de venir avec nous dans cette maison pour la soirée. Comment tu vas, April? Tu te présentes? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
ça va, super, je suis trop contente d'être là. Donc moi c'est April, ok. Vous me connaissez peut-être de la chaîne Beauty Handy. Et je suis trop contente que tu, d'avoir gagné ton concours Fatoumata. Vraiment, je te remercie de me donner cette opportunité, c'est trop cool. Mais je t'en prie, je suis bien content de te recevoir avec nous pour cette nuit d'horreur. J'espère qu'on va tous avoir peur et avoir des frissons pendant... Ah, on va voir ce qui va se passer. J'ai hâte les filles, j'ai hâte. Et petit bonhomme, Jimmy, tu vas pas... Oui. T'es sûr de venir avec nous? Oui. Je suis tellement contente de te voir, exploratrice de l'horreur, t'es ma reine. Oh Jimmy, tu vois, commence un peu à rougir, mais... Jimmy, j'ai parlé avec tes parents et ils ont été d'accord pour que je m'occupe de toi parce que tu étais un grand fan de moi, mais ça me touche. Oui. Eileen aussi, elle est contente d'être là. Oh, mais tu restes bien près de moi, hein. Jimmy, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mais tu t'es sûre de ne pas avoir peur dans cette maison? Mais je t'ai fait une petite clé USB avec le contenu que je fais sur YouTube. Normalement, tu pourras regarder parce que c'est un peu dans le thème quand même. D'accord, Jimmy. Mais écoute, je regarderai ça avec passion. Et tu pourras me signer aussi mon t-shirt? Bah, écoute, on va le faire de ce pas. Tu vois, sort un stylo feutre et elle te fait une signature. Comme ça, ça te va? C'est parfait. Bah écoute, super cool, super cool. Et on continue enfin avec Maria, la belle Maria. Que fais-tu, Maria, dans la vie? Tu es ravie d'être avec nous pour cette nuit d'horreur? Oui. Alors, on verra pour l'horreur, mais ouais, je suis ravie d'être là. Enfin, en plus, j'ai jamais fait d'urbex, donc c'est génial. Bah moi, sinon, je suis en fac en histoire de l'art. Voilà. Bah, super cool. Êtes-vous prêt à rentrer dans la maison Pascal? Allez. Prête. Allez. Prends ça comme un oui, très bien, il est temps de rentrer maintenant. La nuit commence à tomber, les esprits maléfiques vont se réveiller. Bon, vous voyez que cette grande bâtisse, elle est vraiment plus entretenue depuis des années. Hein. Il y a certains volets qui sont cassés, il y a de nombreuses taches de moisies sur les murs. Et on aperçoit aussi des graphes comme « tu rentres, tu meurs ». Tiens, doit-on prendre au sérieux ce genre de message, de menace? Avez-vous peur, filles et garçons? Vous pouvez toujours faire demi-tour. Hein. Et de là, un orage éclate. À peine vous passez dans ce jardin et vous arrivez juste devant la porte, vous entendez le tonnerre. Donc je vais vous révéler les zones à chaque fois que vous allez rentrer. Donc vous rentrez un peu dans la première partie de la maison. Vous suivez Fatoumata. Entrez dans une espèce de petit hall et... Bon, vous voyez que c'est quand même très délabré à l'intérieur. Hein. C'est une maison qui semble vide depuis un moment. Hein. Et vous arrivez dans une grande pièce principale. Donc... Je reste juste un tout petit peu en retrait en regardant la bâtisse, genre un peu de l'extérieur. Ouais, tu vois, il y a une espèce d'appréhension quand vous rentrez. C'est vrai qu'en plus, il y a l'orage qui commence à éclater juste derrière. Tu vois les lumières des éclairs qui font un peu des ombres un peu bizarres de la maison. Tu sembles apercevoir à la fenêtre en plus des sortes de barbelés, des tas de barbelés sur les fenêtres. Et quand vous rentrez, il y a le sol qui grince sur certaines parties de la maison. Et ouais, ça grince comme un enfant qui pleure en fait. Hein. Elle est vraiment délabrée, elle est en très mauvais état. Et puis il y a une forte odeur de moisie et de renfermé. C'est pas loin de vous faire vomir, hein. Vous êtes limite, vous sentez que c'est pas tip top. Et Fatoumata filme, continue à faire son show, elle est avec sa caméra, elle regarde un peu les alentours et... Alors, vos impressions, vous voulez abandonner? Vous vous rappelez que le dernier qui restera avec moi gagnera un chèque de 1000 euros. Il va falloir vous armer de courage, la nuit va être longue dans la maison Pascal. Elle continue à filmer, elle vous filme. Et est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Vous êtes dans cette salle, vous êtes avec Fatoumata qui continue à vous diriger derrière la caméra, à vous placer, à vous dire toi tu vas là, toi t'essaies. Elle fait un peu
le metteur en scène de sa vidéo pour essayer de que vous soyez tous présents et gère un peu ça ouais, de belle manière en fait. Elle a quand même l'habitude. Et puis, Moi je m'éloigne juste un tout petit peu pour pas trop être dans son champ de caméra et juste de mon sac sortir juste quelques matériaux en mode je mets un casque pour couper un tout petit peu le son et pour écouter s'il n'y a pas des bruits ailleurs et aussi mon EMF, etc. Très bien, tu commences à prendre tes ouais, installer un peu tous tes bidules. Toi Jimmy, tu la vois faire, tu l'as déjà vu aussi, vous toutes, hein, vous l'avez déjà... Enfin, vous tous et toutes, vous les avez déjà vu faire un peu dans ces vidéos. Vous restez, voilà... Vous attendez un peu la suite du programme de Fatoumata et y a toujours l'orage qui tonne encore. Vous entendez la pluie dehors qui commence vraiment à tomber très fortement sur la maison Pascal et vous découvrez au fur et à mesure qu'il y a pas mal de fuites en fait. Ça commence à goûter de tous les côtés. Il y a de suite, il y a de l'eau qui tombe, des flaques qui se forment un peu à droite à gauche, donc c'est vraiment pas étanche. Du coup, Fatoumata commence à dire « Bon alors, on va faire comme d'habitude, hein, le cadenas. » Vous voyez, elle sort un gros cadenas avec une chaîne. Et qu'elle... elle commence à attacher... voilà, elle ferme la porte d'entrée avec cette chaîne et ce gros cadenas. Et elle commence à jeter la clé dans le couloir. Vous l'entendez qui rebondit. Et du coup, elle se retourne vers vous en faisant un grand sourire. Et elle regarde vos visages, elle vous filme. Quelle est votre réaction quand elle fait ça? Maria, elle est dubitative, elle comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est... Je lève les yeux au ciel. C'est la règle. C'est comment ça? Mais c'est comme ça que je fais mes vidéos, vous les avez jamais vues? Si. Si, bien sûr que si. Que le spectacle commence. Alors, avant de commencer, j'ai un petit questionnaire, le petit questionnaire habituel. Tu sais très bien de quoi je veux parler, Jimmy. Hein? Toi qui es fan, nous allons demander les peurs les plus terrifiantes de nos invités. Jimmy, de quoi as-tu le plus peur? Pour avoir des peurs, il faudrait avoir peur de la mort. En l'occurrence, j'ai pas peur de la mort, donc j'ai peur de rien. Mais si, Jimmy, il y a bien quelque chose qui doit te faire peur. On a toujours une peur de quelque chose. Réfléchis bien, je reviendrai à ton tour après. Maria. Moi, des peurs, comme tout le monde, quoi. J'en ai plein, je sais pas. J'aime pas du tout la vue du sang et j'ai peur des araignées, mais enfin... Pourquoi tu demandes ça? Ça fait partie du... C'est le questionnaire habituel que je demande tout le temps. Ça m'étonne que vous ne l'ayez jamais vu. Alors pour toi, ta plus grande peur, ce serait l'araignée et le sang, alors. Ouais. Très bien. On n'entend pas le stylo écrire, mais je crois que il prend des notes, J.K. Vous en faites pas. Non, je prends pas de notes. Comment être un peu plus creepy? April, quelles sont tes peurs les plus intenses? Je sais pas trop, peut-être... des araignées... Ah non, vraiment, je déteste les limaces. Ben, c'est incroyable, la dernière fois, quand je suis allée faire du camping, il y avait des limaces sur la tente, j'ai même pas réussi à sortir, quoi. Il a fallu que ma soeur les retire une à une. Vraiment l'air con, quoi. On en parle pas, ça a l'air ragoûtant. Bah oui, c'est dégueulasse. Ouais. Ouais, en effet. Et pour toi, Whitney? Moi j'ai peur des insectes, les mantes religieuses, ah mon dieu j'ai horreur de ça, quelle phobie! Mais c'est pas Gaspard qui risque de me faire peur. Ah peut-être être enfermé ici, moyen. Ouais ça ouais. J'avoue, pas fou. Du moment que tu dis Gaspard, elle continue à faire une grimace un peu. Et elle se dirige vers toi Maven. Et toi Maven, tu as peur de quelque chose? Peut-être la veuve noire. Puis, tu sais, pour bien intensifier les peurs des autres, mais sans... Je regarde les autres et je dis, c'est juste une toute petite araignée, pas plus grande que votre petit doigt. Elle vous tombe dessus, elle vous pique, et vous mourrez en à peine quelques secondes. Sans même le remarquer. C'est super, hein. Sympa pour ceux qui ont peur des araignées, oui. En effet. Maria devient toute blanche, elle commence à transpirer, elle se demande si ça ferait pas mieux de sortir.
Maria, wow. Il est encore temps de sortir, hein. Si tu te sens pas bien... Ah ben non, j'ai fermé la porte maintenant. C'est trop tard. D'ailleurs, t'as un double de la clé quelque part, parce que là, franchement, s'il faut chercher pendant 4 heures demain matin, moi, ça va me saouler. Hein. Mais vous inquiétez pas, tout est prévu. Jimmy, as-tu réfléchi à une peur? Je pense que ce serait perdre Aileen et que tu me bannes de ta chaîne. Wow. J'adore. Tu vois, te fait un petit sourire. Toujours mignon. Un peu plus dans le jeu. Ok, bah écoutez, j'ai enregistré tout ça. Puis vous voyez que Fatoumata coupe sa caméra. Bon les gars, faites en sorte d'être apeurés. Il faut que les viewers puissent rigoler de vos états. Hein. Mais surtout, essayez de le faire le plus naturellement possible. On va bien rigoler, on est déjà monté à 150 000 viewers. Pour la première partie. Faut vraiment que vous soyez... voilà, aidez-moi dans le coup et j'apporterai le retour, quoi. Whitney, je sens que t'es un peu sceptique, mais... Essaye de mettre de l'eau dans ton vin quand je te filme, quand je te pose des questions. C'est important pour moi. Faut pas que je passe pour une... voilà. J'ai l'impression que tu n'y crois pas. Voilà. Ça m'aide pas, si tu veux. Mais non. Mais t'en fais pas, chérie. Genre, si je suis là, c'est que j'y crois. Pas de soucis. Bon, très bien. J'y crois tout autant que ton chèque de 1000 euros à la fin. Exactement. Ceux qui resteront pourront se le partager. Mais oui. Bon, bah, écoutez, super, les maman, filles, si faut que je rappelle mon agent. Je reviens. Et vous voyez qu'elle part dans une pièce à côté. Vous remarquez quand même que quand elle ne filme pas, bah, Fatoumata est carrément une autre personne. Comme si elle jouait un rôle pour sa chaîne. Moi j'essaye de voir où elle a balancé la clé, est-ce que j'arrive à voir. Maria vient t'aider, ça, c'était mon idée aussi. Alors, tu vas me faire un test... Oh bah non, tu la trouves pas. Y'a pas besoin de test, tu ne la trouves pas. Tu vois en fait en cherchant, tu vois une espèce de petite planche là avec un trou, comme si elle s'était glissée dans un bas-fond en fait. T'arrives pas à voir, mais tu vois qu'il y a plein de trous au niveau des planches et t'arrives pas à mettre la main dessus, tu vois pas vraiment où est-ce qu'elle a pu atterrir. Quoi. Et je regarde, est-ce qu'on voit des fenêtres à l'étage ou... Pour l'instant, vous êtes dans cette petite place, dans ce petit hall. Vous avez une porte Marielle. Ici, vous avez un petit couloir ici, vous avez une autre porte ici, vous avez des couloirs, vous avez vu une porte ici, un couloir ici. Donc c'est assez, quand même, c'est assez grand. Hein, c'est... Et là-haut, là, il y a... Et là-haut, ça monte à un étage. Ça monte à un étage. Okay. Vous découvrez vraiment que la maison de l'intérieur est... Voilà, progressivement, bon, elle est vraiment délabrée, elle est abandonnée depuis longtemps. Hein. Il y a, comme je vous ai dit, il y a des fils barbelés qui bloquent certains passages et fenêtres. Il y a une atmosphère angoissante et stressante quand même. Vous ressentez avec l'eau, avec l'orage, avec c'est à peine visible, il n'y a pas trop de luminosité, il n'y a pas d'électricité. Donc, vous allez me faire une épreuve quand même. Je vais vous dire de quoi. Bon, on va dire intelligence. Hein. Voilà. Du coup, slash R, 1d6, c'est ça? Ouais, ou sinon, t'as la colonne à gauche, t'as le d20 là, et tu tapes 1d6. Tape sur le d6, ça, c'est encore plus rapide. Ouh la vache, on a une série de 1 là? Ça marche pas pour moi. Ouais, je vois ça. vous comptez votre bonus, vous me dites. Ouais, 2. 5 ou plus, ça moi, marche. Ça fait 5. J'ai fait 6 avec le bonus du coup. Donc Maria et Mika, c'est ça? Ouais, Maria 5. Non, April. Ouais. April. April et Maria, du coup, vous. En cherchant, bah, toi, April, tu trouves des mégots de cigarettes. Ils semblent assez récents, hein, c'est pas vieux. Et toi, April, tu trouves des canettes de bière vides qui jonchent le sol. Comme si la maison n'était pas si vide finalement, peut-être. Attends, je suis perturbée, moi je crois que moi aussi c'est bon en fait, ça passe. Bon bah vous voyez à peu près ça, tu retrouves toi aussi peut-être une bouteille de whisky entamée ou...
Mais elle est sûre qu'on est seul, l'autre, là, parce que... Enfin... Ah ouais, il y a l'air d'avoir des trucs, enfin des mégots, des canettes, c'est pas authentique, ça. Ou alors, c'est authentiquement pourri, hein. Mais vous voyez pas que c'est qu'une mytho, elle veut juste parler de tout sur sa chaîne, oh là là. Ouais, enfin, ah bah, si elle nous a enfermés dans un squat... Ouais, c'est pour pas le droit de dire ça, tu mérites pas d'être... Attends, si on est coincé dans un squat avec des drogués, on va se faire défoncer, hein. Moi, je m'approche pas du gosse, hein, il est trop chelou. Personne ne s'approchait du gars. Il n'y a que sa peluche qui veut rester avec lui. Moi, j'essaye d'ouvrir la porte là en attendant qu'elle est partie, qu'eux discutent. Je les calcule même pas. Allez, c'est reparti. La porte là. L'exploration. Ça repart. Je trouve une bibliothèque délabrée. Mais vraiment avec des toiles d'araignée, avec. Des vieux manuscrits, des vieux livres, mais complètement moisis. Mais une grande bibliothèque. Ouais, tu vois que je tends la main avec mon EMF avant d'entrer et j'entre dans la pièce. Tu trouves rien. Rien de spécial. Je suis Méven dans la bibliothèque. Et je regarde un peu sur les murs, qu'est-ce qu'il y a comme bouquin dans les étagères, etc. Ouais, c'est de la littérature basique, on va dire. T'arrives à voir un peu les titres sur leur couverture, sur les revers, mais vraiment en très mauvaise qualité. La majeure partie, c'est mouillé, les pages sont collées entre elles. Donc c'est vraiment... Il y a cette forte odeur, en plus, qui règne dans cette bibliothèque, comme si personne ne l'avait ouverte depuis des années. Okay. Vous êtes obligé un peu c'est de un mettre bureau, votre coude sur la bouche pour éviter de respirer. Il y a des fenêtres ? Il y a des fenêtres barbelées. Tu vois vraiment tout un tas de barbelés, mais qui fait tout la hauteur, toute la fenêtre, sur peut-être trois rangées de barbelés. C'est assez énorme. Quoi. Mmh. Bah, je regarde quand même par la fenêtre un peu dehors, voir... Tu vois l'orage qui éclaire, c'est la nuit noire. Tu vois une petite forêt sur le côté avec les marées, avec cette brume qui continue malgré la pluie. Un bureau, ça ? Ouais, c'est une sorte de petit bureau. Qui a des tiroirs, un truc comme ça, qu'on peut ouvrir, regarder. Ouais. Du coup, bah, j'ouvre les tiroirs pour tu voir ce qu'il y a dedans. Un ciseau dans un tiroir. Ok. Je le mets dans ma poche. Oh, la voleuse. Je suis pas très rassurée, on est enfermé. La klepto, elle a pas dit kleptomane. Le sac d'histoire, c'est une couverture. Ça, c'est une porte ? Non, c'est une fenêtre, là, t'es devant la fenêtre. Ok. Y a aucun pas. Là, il y a une porte. Au sud. Ah. Ça ? Ouais, c'est une petite porte. Bah, j'essaye d'ouvrir. Elle est fermée. Ouais. Vous entendez Fatoumata qui revient de l'autre côté. Alors, vous êtes où ? Hello ? Vous êtes où, là ? Je sais pas, moi, je t'attendais, ils sont tous partis. Bah. Ouais, on n'est pas partis, on est juste là. Vous l'entendez un peu ? Moi, j'ai entendu bruit, alors du coup, je reviens dans le hall. Vous avez commencé à visiter ou quoi ? Ouais, parce que tout le monde s'inquiète en fait. Hein. Pourquoi ? Visiblement, il y a déjà des gens ici. Hein. Mais non, vous inquiétez pas, cette maison elle est déserte. Mon agent vient de me le confirmer en plus. Il sera là demain matin, il a la clé, il nous amènera le petit déjeuner ainsi qu'un chèque de 1000 euros à nous partager. Donc il n'y a pas de souci. Il a la clé, comment tu veux qu'il nous ouvre ? Eh ben, il passera par une fenêtre, il nous envoie la clé par une fenêtre et on ouvre le cadenas, tout simplement. Mais quelle idée d'avoir jeté franchement ta clé, là. Mais c'est comme ça, je fais comme ça mes émissions, pourquoi ça vous choque ? Vous risquez rien, c'est un... Bah oui, un petit peu, ça nous choque, oui. Mais non, il n'y a rien à craindre. Mais vous avez peur de quoi, les filles ? Mais t'étais pas prévu qu'on dorme ici ? Pardon ? Parce que je comptais pas dormir là, je comptais dormir au petit hôtel à côté... Ah ben non, on dort ici. C'est prévu comme ça, on dort là. Ah bah super, je me tape la gothique et le gamin chelou. Parce que tu crois que... Ouais. C'est un plaisir pour nous de partager le moment là tout de suite, franchement deg quoi.
Mais ouais, c'est clair, hein. Mais c'est le but de l'émission, vous le saviez, non? Ouais, mais enfin bon, on pensait pas que t'allais balourder la clé à l'autre bout du truc, hein. Moi, franchement, j'étais persuadée qu'on pouvait sortir quand on voulait, au moins pour fumer une clope, hein. Enfin, cela dit, visiblement, les gens, ils se gênent pas pour le fumer ici, quoi. Bon, du coup, on fait ton émission et puis on se tire, là, parce que franchement, trop saoulé, quoi. Bah ouais, on va filmer. Vous voulez faire quoi? Vous voulez monter à l'étage? Vous voulez visiter ou... Allez, on va monter, si vous voulez. On va aller voir en haut. Visiter cette maison, ça vous fait pas plein de frissons quand même, ce genre de d'endroit? C'est quand même. Moi j'active parce que j'ai une petite caméra, en fait j'ai un petit système où j'ai une caméra sur le thorax, hein, et du coup je l'active pour filmer. Très bien. Alors, je vais vous transférer au premier étage. Oh. Ce que vous voyez. Oui. Oui. Je vais mettre Fatou Mata aussi, quand même. Oui. Oh, elle a grossi. Oh, bah elle a grandi. Elle a pris une potion magique. Ah, très bien. Et en fait, quand... En montant les escaliers, vous commencez à entendre certains bruits. Des sons un peu démoniaques. Des rires et des pleurs de bébés. Ah bah, on dirait que c'est le campement de base de Jimmy. Et vous voyez que Fatou Mata rallume sa caméra. Ah, c'est intéressant ça, mais qu'est-ce que c'est? Moi je check avec mon EMF et j'ai pas réellement d'activité. C'est vrai, mais t'es sûr qu'il marche encore? Bah quand même, hein. J'ai la dernière technologie pour faire ce genre d'enquête. Vous entendez que le bruit vient du sud. Où est-ce que vous voulez aller? Ouais, vers là. Bon. Ok, allez, moi j'y vais. Alors faut passer par là en fait, pour faire le tour. Vous voyez, il y a deux passages ici. Bon bah vous venez ou quoi? On va pas, enfin je veux dire... En fait ça vient vraiment de derrière cette porte on dirait. J'ai pas vu où tu pignais. Moi je regarde Fatou Mata, elle reste derrière nous? Putain c'est trop... Ouais elle filme, elle filme comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pensez qu'il y a... C'est bizarre ça. Vous entendez? Ça vous inspire quoi? Ben ouais. Bah ouais. Hop, gaffer. Vous voyez que la porte. Ok, bon bah je. Ouais, dis-moi. C'est entrouvert, non? Ouais. Bah attendez, je regarde. Je vais sortir, voir mon téléphone, et allumer un petit peu la lumière et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ah, tu vois que c'est très sombre, il y a une espèce de paravent au milieu de la place, de la salle en diagonale en fait, qui cache la moitié de votre pièce. Et il y a tout, vous entendez vraiment ces sons, hein. Ce bébé qui pleure, des sortes de rires un peu, ouais, ça fait comme un rire démoniaque, satanique. Putain, c'est trop chelou, venez voir. J'ai mon EMF qui s'active un peu, mais moi je m'inquiète pas parce que je me dis que c'est justement parce qu'ils activent leur téléphone, etc. pour regarder, donc... Créer des interférences dans mon enquête. Ouais, tu vois rien de spécial si ce n'est le paravent qui te cache la moitié de la pièce. Ah putain, mais faut qu'on rentre là, enfin il veut pas... Vous voulez pas rentrer toi, le petit là? Tu veux pas aller voir? Oui. Il dirait qu'il a mangé un queen queen, un coin coin de chien. Bah non, mais il commence à un peu flipper quoi. Et en fait, quand tu te glisses, tu vas derrière le paravent et tu découvres dans cette petite pièce, hein, c'est vraiment un débarras, il y a tout un bordel qui s'est mis, on dirait qu'on a empilé des trucs. Et caché derrière ce paravent, derrière des trucs. Tu trouves une chaîne stéréo allumée qui passe cette bande. Bah y'a rien. Mais c'est quoi? Bah y'a rien. Ça vient des murs. Comment ça vient des murs? Écoutez, ça vient qu'est-ce des que murs. Tu veux dire par là? Putain, non, mais elle est trop chelou ta maison là, Fatou Mata, franchement. Moi je croyais que c'était juste de l'urbex, hein. Je sais pas, je vous ai dit que c'était possible qu'elle soit hantée. C'est peut-être ça, hein. Tu vois que j'ai un petit sourire de coin, moi. C'est peut-être lié. Vous voyez pas que c'est sûrement elle qui met des enceintes, oh là là. Ok,
Vous êtes trop naïf. Non mais attends, t'as pas compris qu'on jouait tous un rôle là, c'est bon. C'est pas parce que toi t'as pas besoin de 1000 euros que les autres non. Hein. Mais si j'avais pas besoin, je serais pas là en fait. Elle veut quoi la bimbo? Elle veut surtout que tu fermes ta gueule. Ah, c'est ça les filles entre elles, hein. Elles sont dures. Non, non, non. C'est pas ça, non. C'est un rôle, d'accord. Je sais bien. Je sais bien. Et du coup, toi, Jimmy, est-ce que tu fais quoi avec cette... J'aurais dû te prendre en secret play life, je vais me rendre compte, c'est pas grave. Ouais. Du coup, toi, tu fais quoi avec cette radio? Oh bah rien, je fais comme si elle n'existait pas, moi je protège à fond. Ouais ouais, j'avais bien compris, donc tu la laisses allumer, il y a toujours ce son. Ouais ouais. Okay. Bon bah tu passes au montage hein. Non mais de toute façon on est en live hein, les filles, je peux rien couper hein. Tout ce qui se passe là, se passe là hein. Tout ce que vous dites c'est... Moi j'essaye de partir un peu sur gauche. La chercheuse. L'exploratrice. T'as une pièce à gauche et une pièce à droite. À gauche. Toi Maria et April en fait vous... Bah, vous tendez la... Ouais, vous penchez un peu vers Jimmy, vous voyez quand même qu'il est en train de cacher une radio. Ah. Sérieux quoi. Du coup, je rentre dans la pièce et je dis bah, attends, de quoi tu parles? Mais c'était quoi ce truc? De quoi? Bah, de ça là! C'est une radio! Et là, j'appuie sur le bouton on-off. Bah, j'avais pas vu, je suis myope. Bah, je le regarde complètement dubitative en mode genre, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Elle comprend pas du tout ce qui va lui arriver. Le son se coupe du coup quand j'arrête la radio. Ouais. Et du coup vous entendez le son okay. Qui se coupe d'un coup. Ouais. Bah, du coup à ce moment-là j'attrape le bras de Fatoumata, je fais oh, c'est quoi ça? Mais quoi? C'est-à-dire? Bah rien, y'a plus rien. Mais je sais pas. Non mais vous en faites pas, c'était juste une radio. Une radio. C'était juste une radio. Ah bon? Putain, mais elle comprend rien à la vie. Oui, bah Fatoumata, je crois que fait pas trop semblant. Hein. Ah non, 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 mais j'ai rien à voir avec cette radio, moi. Ne pensez pas à cela. Non, non, non. Vous avez vraiment du mal à la croire. Hein. Ça a l'air tellement flagrant. Ah, oui. Non, non, moi j'ai rien à voir. C'est pas du moi coup, qui ai mis ça. Hein. Du coup. Ouais, elle arrête de filmer. Elle en fait. Pars... arrêter de filmer. Je pars plutôt de l'autre côté. Voir. Non, mais faut me croire, héros. Eh, oh. J'ai rien à voir avec ça. Non, mais c'est sûrement Casper. Bon. Elle se remet à filmer, en fait. Bon, bah, je vous suis. Bah... Je rentre dans la pièce et je dis à Maven, ouais, bah, en fait, les bruits, c'était juste une radio. Ouais, je me doutais bien. Je fais pas confiance à elle pour mon enquête. Ouais, je crois que t'as bien raison. Je cherche que les vues, moi je cherche vraiment le vrai, le concret. Que faites-vous du coup? Vous continuez à explorer? Bah, y'a rien dans cette pièce là en fait, mais Jimmy, moi, c'était pas une radio, c'était une radio, c'est vrai? Bah je sais pas, j'ai pas vu. Ah mais qu'est-ce qu'elle dit alors? Moi je pensais vraiment que ça venait des murs. Et il te fait un clin d'œil. Non, non, mais Jimmy, j'ai rien à voir là-dedans. C'est pas moi qui ai mis cette radio. Arrêtez de me penser. Tu vois, elle commence à s'énerver. Elle dit non, mais oh, vous m'écoutez quand je vous parle? C'est pas moi qui ai mis cette radio. Ok, crédibilité zéro. Bah, en même temps, on l'entendait pas d'en bas. Hein. Ah, puis vous me faites chier à la fin. Tu vois, elle commence à s'énerver. Vous me faites chier à la fin. Hein. Si je vous dis que c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai pas l'habitude de prendre mes abonnés pour des cons. Hein. Puis elle commence vraiment à se fâcher, tu vois, elle balance une pile de papier par terre comme ça, et puis elle vous tourne le dos et continue un peu toute seule l'exploration vers le nord. Alors, vous la voyez partir un peu assez rapidement vers le nord. Je peux la suivre? Ouais, moi je préfère la suivre aussi. Moi je veux regarder c'est quoi les papiers qu'elle a jetés.
Moi, tu vois, c'est avec les numéros de son agent. Il y a plein d'infos sur vous, sur son texte du départ. Rien de vraiment. Ouais, il y a des trucs sur son texte qu'elle aurait pu dire plus tard dans l'exploration. Ouais, il y a quelques trucs de présentation, des phrases un peu toutes faites, des trucs un peu pour vous faire peur. Mais c'est très bateau, quoi. Il n'y a pas de quoi casser une patte à un canard. Hein. C'est pas... Du coup. Voilà, j'avais raison. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fantôme ici. Du coup, vous séparez. Là, tu peux pas passer, Maven. Vous vous séparez en deux groupes, c'est ça? C'est fermé? Ah, là, il n'y a pas de porte en fait. Ah, je croyais que tu avais dit qu'il y avait une porte à droite. Non, il y a une porte ici, je crois. Ah, ok. Bon, bah, c'est là que j'essaye de passer alors. Alors, je vais vous faire deux groupes. Hop. Commencez par vous. Bon, vous rentrez dans une chambre. Hein. Il y a une chambre avec un coin salle de bain et un petit lit. Mais pareil, c'est tout délabré. Vous remarquez même des taches de sang sur le, un peu à gauche du lit, quoi, face à vous. Elles ont l'air vieilles ou fraîches? Ouais, ça a l'air très vieux. Non, ça a l'air très vieux. On dirait que peut-être qu'un des assassinats a eu lieu ici. Il y a toujours cette ambiance un peu malsaine qui vous... Qui est toujours là, quoi. Ça va avec aussi la colère de Fatoumata qui s'est un peu énervée. Du coup, vous êtes dans cette chambre avec Whitney, Maria. Et du coup, je vais passer à l'autre groupe. Et par contre, on va passer en Secret Life avec l'autre groupe. Donc, vous avez un deuxième canal. Ah, donc, on va tous là-bas. Je partais un peu tôt. Ouais. Bon, ça va. Pardon. Pas de soucis. J'attends que tu finisses ta phrase. Tu nous cherchais? Donc, vous voyez, Fatoumata très en colère, quoi. Elle est dans le couloir, comme ça, elle est devant la porte. Et puis elle se retourne vers vous et fait. Mais vous me croyez, vous, au moins? Oui, moi, je te crois. Il se rapproche et il lui prend la main. Ben, ça t'importe vraiment que je te crois, parce que moi je viens de croire, mais en fait, ça change pas grand chose, quoi. Bah, disons que ça change que quelqu'un a mis ça là. C'est ça que je me pose des questions. Okay, tu crois qu'il y a d'autres gens que nous dedans? Mais je sais pas, on va continuer à chercher. On n'entend rien de toute façon. Hein. Fatoumata, là, t'es sérieux? C'est vraiment pas toi, tu promets? Ah mais oui, je promets. C'est pas moi. Ok. Elle a l'air sincère quand elle dit ça. Fais-moi un test d'intelligence. De toute façon, si t'avais l'habitude de regarder ses vidéos, tu saurais qu'elle dit la vérité. Ouais, tu la vois sincère. Ouais. Ouais, non mais je te crois, ok, mais du coup c'est encore plus flippant parce que si c'est pas toi qui l'a installé, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaye de nous faire peur. C'est ce que je me dis aussi. Peut-être que c'est un fantôme qui l'a activé. Ok, alors... Si jamais on trouve un cerveau, promis on essaie de le greffer. Bah j'espère qu'il aura pas la même voix que toi, mon nouveau cerveau. Les voix c'est les cordes vocales, hein, on n'a pas le choix. Du coup elle ouvre la porte. Pourtant on dirait que tu fais exprès. Ah c'est bon, ça va, tu me lâches maintenant. Elle ouvre la porte et vous arrivez à une chambre comme ça. Et voilà, ouais, il n'y a rien de spécial ici. Pareil, vous voyez que c'est une chambre très délabrée. Et en fait, faites-moi une épreuve de... je vois que intelligence à chaque fois, mais bon. Ouais, c'est voir, c'est pour voir quelque chose, qu'est-ce que tu veux que je mette? Ouais, intelligence. C'est bon? Oui, c'est bon. En fait, vous tournez comme ça et au bout d'un moment, vous jetez un œil sur votre droite et vous voyez une espèce de pièce remplie de bœufs. Ok. Fatoumata, ça c'est pas toi non plus, j'imagine. De quoi? Quoi? Vous avez vu quoi? Bah, viens voir. Ouais, ça se rapproche de la pièce, elle regarde et... C'est quoi? Oh putain, merde! Bah ouais, ça craint. Eh, c'est quoi? Putain, on doit se barrer d'ici au plus vite! Bah oui, mais...
Bah, c'est de la beuh, enfin c'est de l'herbe, Ouais, de la drogue, quoi. derrière des planches, un peu, voilà, Vas-y, c'est bon, on se tire. Eh, les filles! y a une plantation illégale de marijuana. La pièce est remplie à bloc et il y a cette forte odeur d'herbe qui s'en dégage, quoi. Du coup, moi, je vais sortir en gueulant à les, je sais pas quel prénom j'ai pu retenir. Genre, sans me dire que peut-être qu'il faut pas crier. Alors, je vais pas faire apparaître le truc, mais ce qui arrive, c'est qu'il y a un Rottweiler qui saute et qui défonce en fait la planche qui tenait à peine et qui vient choper Fatoumata à la jambe et il est en train de lui déchiqueter la jambe. Vous l'entendez gueuler. Elle a l'air touchée. Voilà. Pendant que toi tu criais, tu t'es retourné et il y a ce gros chien qui est apparu et qui est en train de défoncer Fatoumata en fait. Et vous Oh l'entendez gueuler. putain. Du coup, on va changer de. On va changer de groupe. Enfin, on va retourner Est-ce à. que nous on revient avec les autres du coup? Ouais, on retourne tous là-bas. Ouais. Et du coup, les Il y filles, a des spots urbains qui sont vous. éclatés. Ah, pardon. Bah ouais, je l'avais pas. Du coup, vous entendez un Dommage. cri énorme qui provient de l'autre pièce. Avec une espèce de grognement où vous savez pas trop, comme s'il y avait une bête. Et le cri, on dirait c'est Fatoumata qui est en train de gueuler. Ah! Il y Alors, avait toutes ces un... tripes. Il y avait une porte ici? Ouais, il y a une porte. Ok, Bah, bah, je je vais m'empresse, sortir je la les dégomme autres pareil. avec mes Doc Martens, ça, tu vois que je... Bah, vous voyez un gros Reut en fait qui est en train de s'agripper à la jambe de Fatoumata et vous voyez que le sang commence à gicler de ça, à l'intérieur de la cuisse. Et vous vous demandez si c'est pas son artère fémorale qui est touchée. Elle est en train de crier à gorge déployée et le chien ne la lâche pas. Là, si Moi, je Que me faites-vous? mets derrière. Pardon. Je me mets derrière April et puis je la pousse vers le chien en lui disant Sauve-la! Sauve-la! D'accord. Merci. Et comment? Là, c'est une cheminée, c'est ça? Où ça? Là, sur le Ouais, côté, c'est une juste cheminée. derrière. Il n'y a pas, tu sais, genre un tisonnier ou je sais pas quoi. Fais-moi une épreuve de chance. C'est le genre de jet que j'aime pas trop faire, moi. 5. Ouais, tu trouves un tisonnier. Ok, bah je le chope et puis je vais aller vers le chien puis le taper, quoi. Ouais, tu fais une Peut-être épreuve pas moi. dextérité. Dextérité. Ouh, 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 ouh. Hé! Ah, tu le tapes, tu vois, il lâche Fatoumata comme ça et puis. Tu vois, tu le blesses quand même, tu le blesses sérieusement. Il est en train de. Et du coup, il se met dans un coin de la pièce, il te grogne là, il est juste devant toi avec ses dents, tu vois sa bave, tu vois Fatoumata en train de se tenir la cuisse, elle a le sang qui pisse comme ça. Et derrière vous, Allez en voir, je fait, m'occupe du chien. toi, Maven, bah. T'es en train de regarder la pièce et tu sens un couteau juste au niveau du bas du dos. Toi et Whitney, vous sentez deux couteaux qui vous piquent le dos en fait. Il y a deux hommes qui surgissent vraiment. Vous aviez pas vu, voilà, ils se. Bougez plus! Je lève les mains du coup. Ouais, moi aussi je lève les mains, je bouge plus. Bougez plus d'un pouce, toi tu lâches ton tisonnier là-bas. Ouais, mais t'es trop mignon, mais si elle meurt en fait, ça va te retomber dessus. On Hein. s'en fout! On a une avocate ici. Rien à foutre! C'est à vous la weed! On vous plante, on vous lâche le chien, on en a rien à foutre! Elle a qu'à C'est crever, bon, elle avait on est qu'à... pas vous avez venu. rien à foutre là. Donc C'est lâche votre ton chien? tisonnier. C'est bon, je lâche. Alors Et rappelez votre chien. Vous n'avez rien à foutre ici, putain. Qu'est-ce que vous faites là? C'est juste des enquêtes paranormales pour YouTube. Mais vous êtes con ou quoi? Mais oui, mais c'est l'autre bouffonne. C'est bon, on n'a rien fait, on peut partir. Ouais, attends. Tu vois, ils sont en train de se regarder. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Attends. Putain, vous Le me souci, foutez c'est dans la qu'elle a merde, cadenassé bande la de porte. connasses! Tu vois, il semble Écoutez, réfléchir, on a il fait est ici. très, très, il est en train de vraiment, il est vraiment désappointé. Mec, écoute, on n'a absolument rien vu. La seule chose qu'on a vue, c'est juste une cassette qui nous est. Enfin, genre un enfant qui pleure un peu démoniaque parce que c'était le but de notre venue ici. Il n'y a absolument que dalle qu'on a vu, que dalle qu'on a filmé. Laisse-nous tranquille, quoi. Bon, déjà, vous rentrez dans la pièce, vous deux, là.
Pendant qu'il parle, j'essaie de me diriger doucement vers Fatoumata pour... Ah, tu vois, elle est en train de gueuler, et puis elle s'adresse un peu au gars, quoi. Putain, mais je vous en supplie, laissez-nous partir, on préviendra pas la police, laissez-nous. Ouais, c'est ça, on va te croire, hein, pauvre con. En plus, rien que t'y aies pensé, voilà, tu nous fous dans la merde. Vous allez dans cette salle, là, et... Allez, tout le monde là-dedans. Ryu, viens ici. Il y a le chien qui boite un peu et qui vient vers eux. Rien du tout. Ok, est-ce que... Il n'y a pas quelqu'un qui a une ceinture ou un truc, faut qu'on lui fasse un garrot, là, parce que sinon, elle va crever, hein. Écoutez, vous nous laissez le temps, hein. Vous nous laissez le temps d'enlever tout ça et vous pourrez partir après. Comme ça, il n'y aura pas de bobos. Mais pour l'instant, on va pas vous lâcher. On n'aura pas le temps de. On va enlever tout ça. Ouais, ils sont vraiment paniqués, quoi. Pardon ? Non, mais vraiment, qu'importe ce que vous faisiez, on s'en fout là. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour elle, quoi. Elle est par terre. Bah, sauvez-la, faites ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, moi. Et puis, il ferme la porte. Vous entendez qu'il ferme. Il y a une deuxième sortie. Train de mettre des chaînes comme ça. Et vous les entendez parler et un peu s'engueuler. Vous savez pas trop ce qu'ils font. C'est la soirée des chaînes. Vous êtes enfermé dans cette petite pièce et Fatoumata est en train de se tenir la cuisse. Aidez-moi, ma jambe. Je perds trop de sang. Je veux pas crever, s'il vous plaît. Elle est dans le fond de la pièce, elle se sent pas bien du tout. Il y a beaucoup trop de sang pour elle. Elle reste derrière. Moi, je reprends le tisonnier là. Ouais. Puis bah, sachant que c'est une vieille maison qui tombe en ruine, j'essaye quand même de défoncer la porte. Moi je vais regarder. Mais Jimmy, t'as pas une ceinture ou je sais pas, quelqu'un quoi. Je vais pas déchirer ma jupe, franchement, trop cher. Non, j'en ai pas. Maria, elle défait son esprit. Bah, c'est pas une petite ceinture, mais bon, elle vous file la ceinture de sa robe. Mais elle s'approche surtout pas. Ils devraient pas essayer de détruire la porte, ils nous ont dit d'attendre et que tout se passerait bien tant qu'ils auraient récupéré leur bœuf. Ah oui, d'accord. Je garde le tisonnier, j'attends du coup. Il y en a un petit peu, quoi. C'est les gars qui fournissent civil pour des sangs, c'est ça, non? Ah, vous pouvez rentrer par les petites planches, vous voyez que c'est... Mais par contre, vous voyez pas les gars en train de... Mais il n'y a aucune issue, en fait, pour rentrer, à part là où vous êtes. Donc vous vous posez la question, mais... Ils nous ont dit qu'ils allaient gérer le truc, et en fait... Ça vous semble bizarre, ce qu'ils vous ont dit. Pendant je regarde, que... là, c'est une cheminée, ça? Ouais, c'est une cheminée, ouais. Là, c'est des fenêtres. Ouais, des fenêtres, toujours avec ces gros barbelés emmêlés, tout un paquet de barbelés bien attachés, en fait. Très sécurisé. Et là, il y a un trou pour descendre au rez-de-chaussée. Enfin, c'est juste le sol ou enfin, genre. On dirait qu'il y a un trou, ça fait 4-5 mètres, quoi. Rappel des hauteurs que vous aviez connues. 4-5 mètres, je pense que c'est pas une bonne idée. Je pense que c'est pas une bonne idée. Ah, faut voir comment vous organisez. Hein. Moi, je regarde. Est-ce qu'on peut passer par détendre. La. Est-ce qu'on peut passer par la cheminée? C'est un peu étroit. Peut-être Jimmy. Mais vous, non. Je regarde Jimmy. Oui. Tu le voyais avec le regard dans le vide, serrer son... Est-ce que tu crois que tu peux essayer de passer là-dedans pour sortir? Tout seul? J'arriverai pas à suivre. Passe pas. J'ai pas très envie de rester tout seul. Qui soigne Fatoumata, du coup? April, ça? Ouais, vas-y. Ouais, du coup, tu me fais un test d'intelligence. Il y a que ça. Le fameux. C'est le test d'intelligence. Et voilà, 4 pour... je ne sais plus trop, c'est 3. Ouais, bon, du coup, tu lui fais un garrot, tu as trouvé un peu, tu as arraché un bout de ton chemisier ou une ceinture. Bah non, et mais en fait... Whitney m'a pas passé sa ceinture. Ah, bah Whitney, non, Maria. Non, c'est moi. Bah Maria, tu perds ton pantalon, mais ça va, ça arrive. Non, je suis tout va bien. Vous arrivez à arrêter que le sang qui coule, mais vous voyez déjà sa jambe commence à devenir bleue.
Elle est toute pâle, elle est en mode, ouais, vous avez du mal à la reconnaître, elle commence à vraiment, à limite, elle ferme les yeux, elle les rouvre, elle arrive même pas à parler, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Ok, tu restes avec nous, attends, hein? Tu restes avec nous là, quoi? Faut que quelqu'un appelle. Qu'est-ce qui se passe? Bah j'essaye de lui parler en continu et je lui dis, oh, regarde, tu vas voir, tu vas pouvoir faire une belle vidéo explicative de tout ce qui s'est passé, ça va faire un Jimmy, million arrête, de... Jimmy, on rigole pas là, c'est la vraie vie là, je suis dans la merde, je suis en train de crever. Attends. Bordel, vous voyez pas? Mais non, ton téléphone, meuf, t'as appelé ton... Je l'ai laissé en bas. J'appelle la police, hein, perso. T'appelles. Les urgences. T'appelles la police. Oui, allô. Oui, bonjour. C'est en fait, on est dans une maison. La maison, c'est quoi déjà la maison? Pascal. Pascal. On est dans la maison Pascal, à côté de Bordeaux, et il y a notre amie qui s'est fait mordre par un chien. Elle pisse le sang. C'est horrible. Il faut que vous veniez tout de suite, hein. C'est pas une blague, hein. On l'a déjà fait, la maison Pascal. Vous appelez mais non, comment? C'est pas une blague. Comment vous appelez? April. Ouais, vu la façon dont vous me parlez, hein, j'ai un petit doute quand même. Maria s'approche pour essayer d'entendre ce qu'il se dit, elle a peu confiance. Est-ce que quelqu'un peut parler à la police et leur dire que vite, il faut que notre pote, elle crève pas? Bah écoutez, on va arriver, on envoie une patrouille, mais c'est assez loin de Bordeaux, donc on fait tout notre possible pour être là sur place d'ici une demi-heure, une heure. On pourra pas faire une ambulance, une ambulance. Non mais il nous faut une ambulance. Envoyez la BAC aussi, il y a 1 million de weed. Là, et là, il entend le gamin qui parle. Non, mais c'est quoi, là, c'est une blague d'enfant, là, c'est ça? Mais non, c'est pas une blague. Putain, mais ta gueule, Jimmy, sérieusement. Elle est vraiment en train de crever, hein. Ah non, mais vous me dites qu'il y a quelqu'un qui est en train de mourir, qu'il faut envoyer la BAC, qu'il faut envoyer l'ambulance, qu'il y a de la non, weed. Il y a quoi? On veut que l'ambulance, non, s'il te plaît. Il y a des robots aussi? Ah, mais il y a pas quelqu'un qui peut... Attends, mais je t'envoie une photo, sinon... Allez, envoyez-moi une photo, mademoiselle. Bah, je t'envoie une photo. Sérieux, je prends une photo, la photo... Je me mets devant... je me mets devant la photo et puis je fais un petit clin d'œil à la photo. Du coup, il voit la photo. Ah, oui, d'accord. Bon, bah, on vous envoie une ambulance, bougez pas. Restez tranquille, non, surtout. Non, mais tout de suite. Oui, oui, on fait notre possible. Vous arrivez dans combien de temps? Bah, on fait au plus vite. Bah, super, ils sont là demain, quoi. Bah, il faut essayer de sortir par nous-mêmes. Hein. Pendant que vous téléphonez, que toi, Maven, t'es en train de taper avec ton tisonnier sur la porte, tu vois qu'elle commence un peu à céder. Bah, tu remarques un liquide qui se faufile sous la porte. Ça sent l'essence? Oui. On dirait que ces criminels vont tout faire brûler pour supprimer sûrement les preuves et les témoins. Non, mais... Mais on peut pas passer par la... Moi, alors, à travers leur porte, je leur dis, les gars, on était en direct. Vous avez été filmés. Vous allez vous mettre dans la merde si vous nous laissez comme ça. Les gens savent où on est. Les gens savent qui est là. D'un coup, quand tu parles, t'entends un... Et tu vois des flammes sous la porte. Et en fait, l'essence qui est passée commence à s'enflammer sous la porte. Ah, je te tue. On va finir défoncé. Que faites-vous? Je me précipite dans la pièce d'à côté, y a vraiment pas de fenêtre, même en poussant les trucs au sol ou quoi, y a rien. Bah, il demande à moi une épreuve de chance. Qui dit oui dit haut. Hein. Oui, oui, c'est un D6. De quoi c'est un D6. Normalement. Ouais, un D6. T'as pas de bonus avec la chance. Un D6. Ok. Ça passe pas. Que je vous en laisse un deuxième si vous voulez. C'est quoi qu'il faut? Chance. En arrosoir. Il faudrait faire 5 ou... avec de la distance. Ouais. Non, ça passe pas. Oh, putain. Mais il y a une porte par ici, quelque part par là, qui mène à cette... Mais est-ce qu'il y a des murs? Parce que ça reste une vieille maison là. L'eau, elle se faufile de partout. Avec le tisonnier, je peux bien défoncer un mur, quoi. Ouais, tu vois que c'est une sorte de... Ouais, de... C'est un mur assez épais, mais tu vois des espèces de... Pas des... comment on dit dans les châteaux, là. Comment ça s'appelle? Pas des meurtrières, mais c'est pas des meurtrières. Je me rappelle plus.
Genre il y a un double mur ? Non, ça fait comme une fenêtre, mais c'est très étroite en fait. Tu arrives à la voir derrière, c'est très étroit. Donc il n'y a pas de barbelé. Ah. Mais ouais, c'est où ? Elle est juste là. Il y en a deux. Cette pièce là, c'est pas une pièce d'eau ? Si. Là, j'essaie de la défoncer là. Bah, je rentre dans cette pièce et je regarde si j'ai pas de quoi. Ah ouais, mais là, il y a beaucoup de feu. Ah, ça brûle au fur et à mesure vous faites des choses, ça le feu avance en fait. Vous sentez la chaleur. J'attrape le tapis par terre et j'essaye d'éteindre les flammes. J'attrape le tapis qui est par terre et j'essaye d'éteindre les flammes que je vois devant moi en attendant que quelqu'un trouve une meilleure idée. Ouais, t'arrives à éteindre. Je suis en train d'essayer de défoncer ici là. Ouais, okay, je continue. Tu vois que tu peux passer. Les gens essayent de trouver une autre solution. T'as trouvé un chemin plus ou moins. Eh les gars! Venez, on peut passer là! Ok! Je vais essayer de prendre Fatou Mata sur mon épaule, ce qui est une très mauvaise idée. Mais je vais essayer d'avancer avec elle. Ouais, tu vois qu'elle. Ah! Qu'elle gueule et ça vous prend du temps. Vous essayez de la passer entre les plantes et vous voyez que le feu s'est embrasé en fait. Même à l'étage. Hein. C'est à l'étage que ça a pris. Quand tu passes, tu vois des flammes assez monumentales. Ça a pris assez vite avec l'essence. Et du coup, il y a tout le premier étage qui est en train de cramer. Ah oui! Les gars, dépêchez-vous, c'est en train de cramer là, on va pas y arriver. On descend, on descend. Allez. Du coup, on arrive à avancer avec Fatou Mata. Ouais, vous arrivez à la passer. Ouais, je vous galérez, ça vous prend quand même vachement de temps en fait pour descendre. Et du coup, je vais vous transférer dans votre map en dessous, j'imagine, que vous n'allez pas monter. Ouais. Ah, c'était peut-être prévu ça, du coup, ça me fait peur. C'est-à-dire. On aurait peut-être dû monter, je pense. Bah non, maintenant il y a le feu. Les flammes montent. Oui, mais je pense qu'il y a prévu le coup qu'on descende. Ah. Arrête, on connaît maintenant notre MJ. Bah oui. C'est gentil. Hein. Tant qu'on saute pas de 4 mètres ou plus, ça devrait bien se passer. Ouais, t'as failli quand même, hein. J'y ai cru, ou non ? Non, j'ai posé la question. Il y a trop en dessous. C'est de l'information. Il voulait me faire sauter, quoi. Bah oui, j'aurais bien aimé. J'aurais jeté Jimmy dedans pour voir si ça rentre. Du coup, vous arrivez en bas et vous voyez pareil, des flammes de partout. Vous vous protégez, vous avez Fatou Mata, toi, April, t'essaies de la tenir un peu à bout de bras. T'as du mal à la faire avancer. Je suis mes veines. Non, mais il doit y avoir une sortie derrière. Allez, là, t'es par là. Au bout d'un moment, Fatou Mata, elle tombe comme ça et vous voyez qu'elle. Bah en fait, tu la fais glisser, tu la tires par le bras, tu vois les flammes qui vraiment, comme si ça l'a happé, tu vois, tu dis mais dépêche-toi, elle est en train de vraiment de galérer, elle a sa jambe qui lui a fait mal et puis elle commence à être prise entre les flammes, il y a son chemisier qui commence à s'enflammer et elle essaye d'éteindre le feu qui a pris sur sa manche droite, tu vois, et avec sa main gauche, mais en fait sa main gauche elle s'enflamme également et elle commence à brûler à vitesse grand V. Elle commence à gueuler d'horreur, vous voyez, elle est en train de brûler tout en tournant dans tous les sens. Et puis elle s'écroule par terre, son corps flambant à tout va. Je tombe à genoux et je pleure. J'attrape le gosse par le collet et je le ramène dans le couloir sans aucune délicatesse pour qu'il s'approche pas des flammes. Très bien. Ok, soirée de l'enfer. Exactement. Ouais. Du coup, vous faites quoi? Vous avancez là dans ce couloir? Oui, ouais. Alors, vous voyez, enfin, c'est un tout petit couloir hein. Et vous voyez, il y a juste une porte à droite. Je rentre. En fait, je lui colle au cul maintenant. À peine tu rentres et tu vois. Il y a toujours le gosse. Tu vois le gars qui va pas partir en courant. Il est en train de plier des affaires comme ça et il te voit arriver et il se jette sur toi. Je prends le tisonnier, je le frappe avec direct. Je cherche même pas grand. Donc, en fait, dès que j'ai ouvert la porte, je l'ai vu. Ouais, tu peux faire ton le tisonnier. Hop là. Faire ton attaque. Alors, attaque, c'est Dex. Hein.
Allez, hop. Dans sa tronche. Combien t'as le fait? Le crochet du 6, plus ça. Alors lui, il va faire une épreuve d'agilité pour essayer de... lancer lequel, ouais. Combien il a, lui, en agilité? 2. Ouais, je te laisse décrire ce que tu fais, ce qui se passe. Bah, du coup, j'ouvre la porte. Et en plus, moi, du coup, j'étais déjà passé par une situation un peu comme ça. Donc, depuis le début, je suis un peu en alerte. Et donc, je l'ai repéré tout de suite et je le vois jeté sur moi. Donc, je tends juste le tisonnier en l'air. Et du coup, je me jette sur lui en brandissant, du coup, le tisonnier de manière transversale. Et il y a la pointe du tisonnier du bout qui vient s'enfoncer dans son crâne. Très bien. Voilà, terre, il est toujours en vie, mais il a le tisonnier dans le crâne. Ah putain! Ah! Qu'est-ce que t'as foutu? Pff, oh, ça commence à pisser le sang et pendant que t'es en train de le regarder et de rigoler, bah, t'as le rot, il te saute dessus en fait. Je rigole pas moi, mais bon. je mets juste mon bras au moment où il me saute dessus. Il te chope le bras, il est en train de te niaquer le bras, tu vois, il t'arrache des bouts de chair comme ça. T'as le bras qui commence à partir en lambeaux, il t'arrache la moitié de l'avant-bras en fait. T'as carrément le muscle du bas de l'avant-bras qui est dans sa bouche et il est en train de le mâcher et de le manger. Que fais-tu? Tu perds 10% à tous tes jets. Les autres, vous pouvez agir. Ouais. Quand même, si vous voulez. Hein. Vous voyez la scène, vous voyez ce qui s'est passé. Maven qui donne. Alors, surtout dans l'ordre où vous êtes, hein, Whitney, April, c'est une petite porte. Vous voyez que Maven a donné ce coup dans la tête à cet homme et de suite après, s'est retourné et est en train de se faire mâchouiller par le chien. Je recule et je pousse Maria dedans. Quoi? Vous voyez que les flammes commencent à arriver dans le coin de la maison. Ok. Maria, elle est complètement paniquée, elle voit Maven en sang, elle sait pas quoi faire, elle se met à hurler. De la main gauche, en même temps, j'essaye parce que du coup, j'avais un petit opinel et j'essaye du coup de le prendre et de le planter dans le cou du chien. Fais-moi un jet. Mais April, tu voulais faire quoi avant? Moi, je voulais donner un coup, un gros ouais. coup de genre de poing sur le museau du chien. D'accord, oui, tu peux agir avant, tu peux faire ton jet si tu veux. Donc je te laisse force ou dex, à toi de voir. Bah dex, hein. Ouf. Yes. 2, 3, ça passe. En fait, si ça passe. T'as 3 en dex. Ah non, j'ai 0 en dex, ouais, pardon. Alors en fait, quand tu donnes un coup de pied au chien, bah, ta jambe elle glisse. Et en fait, tu te niaques le mollet en même temps, quoi. Ah, tu te niaques le mollet et tu perds 10% à tout tes jets, beaucoup encore. Et tu vois le chien qui tire April vers l'arrière. Et vous voyez April qui gît sur le sol en train de gueuler avec sa jambe qui commence à saigner de tout son sang. Attends, parce que moi, du coup, je réagis en conséquence avec mon opinel, là, du coup. Bah, du coup, non, parce que le fait qu'elle ait attaqué avant, elle a tiré et t'es plus à portée du chien, du coup. Et il y a April, vous voyez pas le chien de l'autre côté qui est en train de la tirer. Que faites-vous? Maria, reprends le tisonnier là, vas-y, va le frapper. Puis tu vois que j'ai trop mal en fait, j'arrive plus à parler en même temps. Du coup, Maria, vous voyez, elle chope le tisonnier, elle s'approche d'April. Et en fait, quand tu te déplaces, tu vois qu'il y a le gars qui est en train de t'accrocher, t'arrives pas à avancer, et il te plante un couteau dans la cuisse, Maria. Non mais il s'est pris un tisonnier dans le crâne, il est mort, Jaker. Non non, il est mort. J'ai pas dit qu'il était mort. J'ai pas dit qu'il était mort. Il s'est pris un tisonnier dans le crâne. Non, il a eu un dernier réflexe. Et en fait, tu prends le couteau dans la cuisse. Du coup, tu perds 10% Whitney, à tous tes jets. Whitney. Vous entendez cette flamme qui est en train de prendre dessus la maison, ça crépite. Vous entendez que ça tombe au-dessus là. Vous entendez des poutres. C'est en train de. Il y a même des cendres qui traversent un peu la pièce où vous êtes. C'est en train le feu est en train de se propager à une vitesse grand V en fait. Bah, je demande au monsieur comment on sort d'ici. Est-ce qu'on voit est-ce qu'on voit ce qu'il y a là ou pas? Sur la droite, il y a rien. Non. Non, ça va, il y a rien, des escaliers? Non non, c'est pas des escaliers, c'est une cheminée en fait. Je vais te la montrer. Ah bah je fais demi-tour. Moi je me tasse loin des flammes.
Ah, mais je on est sûr de pas regarder ma jambe. Vous laissez après en train de crever avec le chien, putain, mais c'est quoi ce groupe? Oh la solidarité. Bah là c'est un peu la panique hein, quand même. Ah moi je les abandonne tous, je cours vers l'escalier, il est direct sur l'autre côté. Non mais le feu est en train de prendre parce que je sais en haut, pas en fait, qu'elle est partie mais... Le feu est en train de prendre partout. C'est pour descendre dans un sous-sol ça? Où ça, quoi, où? Ça, je te ping. Non c'est une chaise. Ok d'accord. Et vous voyez lui là, qui est en train de crever en fait, il tombe dans les vapes. Comment sort d'ici? Et pourquoi il y a quoi ici exactement? Donc tu vas ici. Non mais parce que du coup on voit pas la pièce. Bah, vous voyez April qui se démène. Du coup si vous faites rien, April que fais-tu? Moi je vais essayer de continuer à taper sur le museau du chien et puis de me dire où tu lâches, tu lâches. Alors fais-moi un jet de force. De persuasion. De persuasion. Je fais un. Du coup, tu vois, tu le tapes, et en fait, il te rechoppe à un endroit, au tendon d'Achille de l'autre pied avec lequel tu le frappes, là, il t'arrache le tendon d'Achille. Ah, c'est un chien intelligent en plus. Du coup, tu repères 10%. Donc, t'es à moins 20% TG. Déjà, là, t'as fait 0. Alors moi je et il te tire encore dans la salle. Mon foulard aussi pour pas trop pisser le sang non plus, je tiens à préciser. Et quand il te tire dans la salle, tu vois l'autre gars. Tu peux le récupérer. Hein. Et l'autre gars, il dit au chien de te lâcher. Et... Il dit, qu'est-ce que vous avez foutu, bordel? Mais c'est vous qui avez foutu le feu partout là. Vous faites trop chier, putain, ça fait super mal. Mais sérieux, vous êtes nuls, quoi. Vas-y, mais elle, c'est pas contente. Putain, et tu vois, il est un peu paniqué. Mais qu'est-ce que vous avez fait au boss là? Il lui regarde là. Ah, mais aidez-nous. J'en sais rien moi. Il est dans les vapes, il a rien. Ah, mais on peut sortir où là? Putain, on va tous crever si tu fais rien. Je sais pas, je par l'entrée, je sais pas par où. Tu vois, il semble hésiter. Il y a le feu, tu sais. Il y a le feu dans l'entrée. Tu fous le feu, tu sais même pas par où sortir quoi. J'en sais rien moi, je suis les ordres, c'est pas moi qui ai décidé. Vous voyez, le feu dans reprend dans la y a pièce rien, derrière. Y a pas une cave ou un truc dans ce couloir-là? Donc, y a rien. Je me traîne dans le couloir, moi. Il y a une porte dans le couloir? Non, pas de porte. Il y a un truc. Non, il y a pas de porte. Il y a une fenêtre? Ouais, et non, même pas. C'est pas une fenêtre. Hein, ce que vous voyez, c'est juste juste les flammes qui mènent à ça. Et ouais, le chien commence à aboyer de tous les côtés. Le gars est complètement paniqué. Il va voir le gars et en fait, il lui fouille des poches. Il lui prend plein de liasses de billets comme ça. Il est en train de le... Ok, bon bah moi je vais essayer de ramener de l'argent. Toi Maria, t'as très mal, hein, tu vois, t'as cette blessure, t'as le couteau qui est resté planté. Bon, c'est un petit canif, mais il est resté planté à ta cuisse et tu regardes et vous voyez April qui peut même pas bouger, hein, qui est à terre, qui est limite à quatre pattes, elle est sur ses deux bras et elle galère. Et... Mais c'est une cuisine, y a rien là pour l'eau? Ah, mais y a pas d'eau, c'est une maison c'est abandonnée. Trop... Oui, même s'il y avait de l'eau, on n'aurait jamais de quantité d'eau nécessaire pour éteindre tout le feu qu'il y a, quoi. Et toi, April, en fait, pendant que t'es en train de ramper un peu comme une limace... La première idée qui me vient, ouais, tout à fait. Tu vois devant toi une grosse limace, énorme, qui vient vers toi, qui est en train de se diriger vers toi et qui ouvre sa gueule et qui va pour te bouffer. Que fais-tu? Oh putain! Et puis je recule, enfin j'essaie de me barrer. Je sais pas. Oh, le chien il est en train de te lécher maintenant. Ouais bah c'est bon, je vais crever. Au pire, je creverai du typhus, je sais pas. Ça me va aussi, hein. Mais attaque toi! Je sais pas faire un truc! Mais Ven, dans le couloir avec Maria, vous voyez une grosse araignée face à vous. Énorme. Ici. Elle est en train de marcher sur les murs et. Elle est en train de hurler. Elle est énorme. Que faites-vous? Maria se fait. Mais elle rentre dans la pièce. De toute façon, on peut pas. En hurlant. Moi je m'en fous, hein. J'avais dit en rigolant pour l'araignée, ça me fait pas tellement peur, mais. Parce que j'avais dit que. Enfin, la veuve noire en plus toute petite, pas une grosse pour le coup, donc c'est juste pour faire peur, je suis en mode je m'en fous. Est-ce que je vois une opportunité de me sauver d'ici ou pas? Genre tout droit.
Le feu a déjà tout rempli. Non, tu peux essayer de passer par là et rejoindre Whitney. Vous entendez Whitney de l'autre côté. Toi, Whitney, tu vois, je sais pas, 4-5 mantes religieuses plus grandes que toi, en fait, qui sont en train de s'approcher de toi. Mais moi, là, on est d'accord que c'est quelque chose. Enfin, il y a une porte ici. Ouais, il y a un passage. Mais on devient fonce-dé, en fait. Mais je crois qu'on est en train de respirer. Bah oui, elle est en train de cramer. C'est ça. Et ça, je pense, sur le coup, tu penses pas, quoi. Oui, non, tu sais pas ce qui se passe. Bon, bon, moi, du coup, je cours, Jimmy. J'essaye de passer... Et vous vous aidez April ou pas? Du coup, moi, je m'inquiète pour elle. Elle est... Moi, il se démerde. Bah, je remets. Ça nous a pas donné trop de. Vas-y. Je repasse dans le couloir pour voir si l'araignée est toujours là. Tu la vois plus. Mais Mévène, elle est devant toi. Je pars en courant et je suis Mévène. Très bien. Je vois pas de montre religieuse. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Putain. Je regarde s'il y a une fenêtre. Non, il y a toujours ces fenêtres avec ces barbelés. Ouais, mais. Je prends mon opinel et j'essaye de retirer le plus possible les barbelés. Ah, tu commences à couper un peu comme tu peux avec bon opinel, tu galères quand même. Et je cherche un couteau plus gros, quelque chose comme ça. Ouais, vous essayez de chercher, vous essayez de tout, ouais, de couper un peu comme vous pouvez. Mais là, il n'y a pas un autre tisonnier, du coup. Et du coup, Jimmy, toi, tu vois... Bah, j'essaye d'aider April, quand même. D'aider April, et tu vois Fatoumata qui te dit « Jimmy, Jimmy !» Oui ? Je suis mort, Jimmy. Tu m'as pas sauvé. Pourquoi ? Mais je pouvais pas. Jimmy, Jimmy... Et en fait, ça te met un peu en panique. Reviens ! Je vais te bannir de ma chaîne, Jimmy. Du coup, le mec il dit: mais qu'est-ce que tu fais, gamin là? Faut l'aider à elle. Et en fait, il commence à t'aider à toi. Après, le gars il te prend un peu sur son épaule. Tu vois la limace ou pas du tout? Non, tu la vois toujours. Putain, mais c'est quoi ce délire là? C'est quoi cette limace énorme là? Mais rien, t'hallucines, c'est la bœuf, elle est en train de cramer. Allez, viens. Et en fait, il te porte et il t'amène un peu jusque là où il y a les filles. Traverser un peu tout le couloir et y a le chien qui vous suit. Est-ce que j'ai chopé un autre tisonnier là par exemple à côté de la... Ouais, tu peux. Ouais, ok, bah là je prends le tisonnier et là j'arrache les barbelés du mieux que je peux avec un bras. Ouais, t'essayes, fais-moi un jet de dextérité. Putain, j'en avais fait un beau tout à l'heure, j'aurais pu cette chance. Mais ah si, bah, voilà. Ouais. Ah, t'arrives à en enlever, tu vois que le passage se dégage, mais il faut m'en faire encore quelques-uns pour... T'as dégagé la première couche, il y en a trois en fait à dégager. Ouais, est-ce que quelqu'un d'autre veut essayer? Moi je peux essayer, mais j'ai zéro en dextérité. Hein. Moi j'ai trois justement. Je te tends le tisonnier. Je prends le tisonnier, du coup j'ai fait pareil de les dégager, de les écarter le plus possible. Et du coup... Et encore une fois. Je le refais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a c'est pas zéro? Trois couches, donc Jimmy? Non, moi pas. Ah, nickel, on a dégagé les trois couches. Magnifique. Ok. Et en fait, vous apercevez que c'est pas une fenêtre. Oh, mais non. Ça vous mène à une autre pièce et qu'il y a le feu dans la pièce en fait. Je me précipite vers le sud. Ici, c'est quoi, là, attends, c'est une grande maison. Les grandes maisons ont des fenêtres, Jaker. Il y a des fenêtres. Hein. Il y a forcément moyen de sortir quelque part. Je suis désolée, une fenêtre, on le voit quand même de l'intérieur. Au sud, là, il y a une porte, c'est une fenêtre, c'est quoi? Ouais, moi, y a je une me cache de, sous la table. De... Ouais, c'est une fenêtre avec, pareil, là, être barbelée et vous voyez à l'extérieur. Par contre, vous... Vous voyez une... un autre tisonnier là avant que le feu... Vous voyez une voiture de pompier qui arrive. Ah. C'est à l'aide, mais j'essaie quand même de retirer les barbelés. Ouais. Ah, vous essayez, vous coupez les bras et tout ça, vous essayez d'enlever tout ça. Avec le tisonnier donc. Avec la chaleur, vous commencez à avoir du mal à respirer. En fait, tous vos gestes sont de plus en plus durs. Vous voyez, vous enlevez la première couche.
vous arrivez, vous voyez April qui est en train de crier de toutes ses... Vraiment, elle perd beaucoup de sang, vous l'avez pas soignée, elle est en train de crier le martyr et vous essayez tant bien que mal d'enlever, mais c'est très emmêlé, les flammes se propagent, vous avez une torture psychique, hein, qui, avec vos hallucinations qui n'arrêtent pas de revenir par vagues, c'est très déstabilisant pour vous, vous comprenez pas, vous avez des pensées, des troubles de la vue, c'est complètement hallucinant, c'est la première fois que vous vivez ça, et au bout d'un moment, vous laissez tomber les barbelés, vous n'avez plus la force, vous n'arrivez pas, les femmes sont tellement propagées, la chaleur est tellement forte, vous êtes obligé de reculer, et vous entendez vous êtes enfermé dans cette maison qui brûle de tous les côtés, il y a des flammes qui vous empêchent de pouvoir vous déplacer où vous voulez, et sans parler de cette fumée qui vous laisse une visibilité quasi nulle maintenant, vous vous asseyez où vous pouvez, il y a le manque d'air qui est compliqué à supporter, il y a ces grosses poutres de bois qui viennent se fracasser au rez-de-chaussée, laissant encore moins de marge de manœuvre à vos mouvements, et en fait votre survie semble s'amenuiser très vite, votre mort se dessine au fur et à mesure que ces flammes se développent, et puis soudain, la porte d'entrée est défoncée. Derrière, il y a des pompiers en combinaison qui s'approchent de vous et ils vous mettent des combinaisons anti-feu et vous sortent au plus vite de la maison Pascal et vous arrivez à sortir comme ça en fait. Et devant la maison, vous remarquez un vrai brasier. Fumée épaisse s'en dégage, sûrement due aux plantations, et dans cette fumée vous apercevez comme une tête de mort qui apparaît, peut-être encore, c'est sûrement dû aux effets psychotropes de la marijuana. Il y a Bordeaux qui va halluciner pendant un an là. Et c'est ici que le scénario se termine. On a réussi à survivre. Il n'y a pas de mort. Tous, il n'y a pas de mort. Un mort. Non. Oh, j'ai pas voulu ce soir, j'ai voulu faire le gentil. Oh bah dis donc. Quoi? Je suis même pas blessée, c'est la première fois. En plus pour une reprise, j'ai cru qu'il allait se déchaîner. Non, j'ai voulu faire le gentil ce soir, j'ai pas... J'ai hésité avec April sur le coup, mais moi j'ai pas... Mettez une étoile sur le calendrier, le 8 janvier 2023, Jaker a été gentil. Mais arrête, comme ça, je passe pour un méchant de service. Oui. C'est un truc qu'on a contre les MJ en général. C'est pareil, mes joueurs ils me disent que je suis méchante. Non, mais non. Non, c'est pas méchant, non, il est pas méchant. Cruel. Il est fou, voilà, aussi cruel. Ouais, peut-être fou, c'est peut-être le mot. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'avais dit 2h30, 3h, donc ça a mis 2h39 environ. Donc voilà, c'est court, ça nous permet vraiment de faire un peu en plus connaissance pour certains. J'ai bien aimé un peu l'ambiance qu'il y avait dans le groupe, c'était sympa, c'est assez rapide, voilà, ça se fait en one shot. Donc je tenais à vous féliciter de vos parties à tous, hein, à toutes plutôt, pardon. Infernal, April. Hein. Vraiment. Ah ouais, hein. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était vraiment sympa. Vraiment sympa. Donc, c'était vraiment cool. Voilà. Un peu court quand même. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus long, mais après, je suis tellement habitué à des parties super longues que. Ah, elles sont courtes. Hein. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis c'est court, c'est prévu comme ça. Parce que. C'est des scénars qui sont faits pour, je pense. Oui, c'est pour la découverte en fait. Ouais, c'est vraiment pour la découverte et pour mettre un premier pas sur le serveur pour faire connaissance. Je trouve que c'est mieux de faire ce genre de scénario que faire un truc avec une tonne de règles où il faut expliquer à chaque fois. Là, c'est voilà, on essaye d'enchaîner. Bon, on est 5, c'est vrai, peut-être. Mais je trouve que vous avez tous pris un peu la parole. Ça a tourné assez bien. Chacun a écouté un peu tout le monde. Donc ça permet ça. Après, il y aura d'autres parties qui vont être proposées. Il y a du dé de sang qui arrive. C'est ce donc, que j'allais dire. Qui est dans plus, le même style, plus long et plus complet, développé, oui, il y a dé de sang. Mais je trouve que c'est le genre de jeu qui permet vraiment aux novices, aux néophytes, de pouvoir un peu découvrir comment ça se passe et se lâcher dans un...
dans une forme de JDR que moi j'affectionne, c'est le RP, vraiment de jouer RP, de pas se baser sur les règles, et de pouvoir vraiment se lâcher dans l'acting et d'incarner ce personnage, et, comme vous avez pu le faire très bien ce soir. Hein. Ouais, bah alors du coup, Jaker, je tiens à te préciser que tu as mis à terme ma séance de Ouija que j'allais faire dans la chambre. Hein. Oui, voilà. Moi j'étais très emballée. Alors, ouais. Ah, tu voulais faire une séance de Ouija? Oui, quand vous étiez oui. En Secret Life, j'étais en mode, eh, écoutez, je vais vous proposer une séance de Ouija, là je vais la sortir de mon enceinte de ma main. Ah, vas-y. Moi je vais vous laisser. Ok, Salut, à demain, du coup, à demain, on met ça pour autre chose. Oui, ça marche. Salut. Allez, bonne nuit à tous.